Salut à vous, petites et grosses tentacules. Voilà, petite vidéo matinale avant d'aller passer ma journée à bricoler de la vieille volière rouillée, essayer de pas choper le tétanos. Là, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, de quoi qu'on parle? Bon, on va parler de divers sujets, mon actualité ludique de la semaine, et puis on va finir sur du Bloodlust V1 Arc 2, et puis Bureau of Investigation de Grégory Priva qui va sortir en Sherlock Holmes. Donc, dans un désordre total, oui, moi c'était une semaine gros bricolage, on s'en fout, mais du coup, pas beaucoup de vidéos sur la ch chaîne. Deux, on a fait un petit coup de poing hier soir avec Ectelion qui croule bien aussi sous le taf, et on dit oh là là, on va arrêter de faire se mettre une pression de guedin pour les actuels plays. Donc, moi de bien caler Nobilis et puis l'Empire des Cerisiers à filmer. Donc, l'Empire des Cerisiers, on l'avait repoussé parce que j'avais fait la merde avec les dates à Calais. Et puis Nobilis, parce qu'en fait la session 1 est devenue session 0. Parce que voilà, on a pris le temps de discuter, puis on a pris le temps aussi de faire les persos, et puis tout ça. Et puis voilà. Et puis bah donc ça arrive, mais c'est juste, on va arrêter de se mettre un rythme de fou. Ensuite, tiens, je suis dans Le Val de Romaric Briand. Bon, ça c'est le 3, donc j'en suis pas là. Mais c'est peut-être le meilleur Romaric Briand, donc on en parlera peut-être dans 3-4 mois, parce que je mets toujours du temps à lire Romaric Briand, mais c'est bien sympathique. Sinon, ouais, merci à Steph, que grâce à lui, j'ai mis la main sur du Nightcrawler qui me manquait, parce que j'aime bien Nightcrawler, et puis voilà, puis, bah, du coup, je calais supplément pour pouvoir reparler d'un petit peu plus tout. Et puis, hop, rentre un peu dans le vif du sujet. Premier semi-truc sérieux, au sens où je me suis maté un film sud-africain de pseudo-fantastique épouvante horreur, qui est plutôt. Bon, ben voilà, on n'est pas une chaîne ciné, on va pas en discuter. S'appelle Gaïa. C'est une variation un peu sur le film qui était sorti Phénomène. Et en fait, bah, ça fait méchamment penser à un des monstres du Monster Manual qu'ils ont retraduit, mais qui est jamais présent, très peu souvent dans nos parties. Le Myconid, Monsieur Page 226, l'homme champignon. Voilà, que c'est des monstres de facteurs de puissance de 0 à 2 qui sont absolument poutrables, qui en plus sont loyaux neutres, donc voilà, c'est pas trop les trucs que tu trouves dans les donjons à la télé. Mais si tu veux en faire une version un petit peu plus, bah justement, monstrueuse, pression, et puis, oulala, mais en fait, ça peut devenir une grosse menace locale, voire une menace planétaire, avec des petites tripes écolo à prendre dans un sens ou dans l'autre. Tu fais la combo de l'invasion du mycélium qui nous pond justement des petits myconides un peu partout qui transforment les humains en myconides. Enfin voilà, et puis t'as un truc de guerre, tu mets ça allié à une secte de druides extrémistes tarés. Enfin, ça peut être rigolo pour une fois de traiter l'écologie, non pas au sens voilà, la nature, faut en prendre soin, attention, mais le côté la nature sauvage d'autrefois qui va t'exterminer ta tronche. Enfin, du coup, ça peut être rigolo, puis il peut avoir des niveaux de lecture d'écologie différents. Et puis, bah, au coup, en plus, hein, comme ça met en avant un monstre qui est quand même très rarement jamais exploité. En rappelant que, bon, dans des dessins qu'ils ont fait comme si en fait le champignon c'était une entité. Ça, c'est si vous voulez, hein, mais en fait, c'est le mycélium qui est la créature, et les champignons, c'est les organes reproducteurs du mycélium qui, voilà, qui poussent à la surface. C'est pas des entités, c'est des tubs. Voilà, donc, bon, et là, bah, du coup, dans les monstres d'AD&D, c'est comme si chaque tube, en fait, c'était une créature. Ils n'ont pas gardé le côté très intéressant du champignon, à savoir que, bah, voilà, c'est une ramification, si vous voulez triper dans DD, une ramification consciente, un peu comme un esprit ruche, sauf que c'est même pas vraiment un esprit ruche, quoi. C'est ce que vous prenez pour des individus, en fait, c'est sa main qui est détachée, quoi. Voilà. Et enfin, bon. Hop, Gaïa Phénomène combo Myconid, et puis vous avez de la menace pour de l'invasion des déesses que autrement. Voilà. Tiens, d'ailleurs, on en discutait avec Télon, mais ouais, ça se sent quand même que t'es plus souvent dans du DD5, et c'est vrai. Mais c'est pas seulement pour faire plus de clics sur la chaîne, hein, c'est aussi vu que je suis en mode tiens, faut que j'écrive un truc à mes fans, essayer de bouffer de mes délires jeux de rôle. Et ben, quitte à faire sur un système, on va être sur DD5, donc j'ai plus le nez dans DD5, donc bah, bien évidemment, des fois j'ai des petits trucs à dire sur DD5. Enfin, voir des trucs comme ça complètement con, quand t'es dans ton canapé, tu fais ah ouais, en fait, ça, telle créature de tel film, c'est rattachable à tel. Enfin bon, voilà, un truc de rôliste, quoi, là, c'est le moment où on passe un peu pour des tarés. Bon, arrivons un petit coup sur Bloodlust. Avant de parler de Bloodlust Arc 2, déjà définir c'est quoi Bloodlust Arc 2, ça. C'est la V2, et puis pourquoi je gueule jamais sur l'immense retard du fameux silence?
Bah, tout simplement parce que Bloodlust, enfin, l'un des papas de la V2, il a eu des gros problèmes de santé et que dans ces cas-là, bah, en fait, quand c'est sérieux, tu fais pas un, je veux un supplément, tu fais voilà, remets-toi bien et tu voilà. Et la bonne nouvelle, pourquoi si j'en reparle de la V2, Éclat de Lune, ils ont recommencé à faire que c'est en ressorti. Il y a eu une grosse pause dans la réécriture de la campagne d'Éclat de Lune de la V1. Bah, pause, cause souci de santé, et là ça commence doucement à repartir, donc je croise les doigts pour que ça marche bien, et je souhaite voilà, bonne santé aux auteurs. Donc, Bloodlust, l'arc 2, qu'est-ce que c'est? Hop, le Val il va aller rejoindre ses petits copains. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, ce qu'on va appeler l'arc 1 de Bloodlust, c'est toute la campagne justement de la V1, Éclat de Lune, qui en ce moment est en train d'être en réécriture pour la V2. Après, dans quel ordre ça sort? Ah, je vais faire un truc clair. On a Contes et légendes qui sort et qui va en fait bah justement sur les contes et les légendes racontées par des PNJ de l'univers qui titillent du secret et donnent de l'info. Avec Paul, c'est vraiment le supplément Bloodlust qui mettait tout le monde d'accord. Puis en plus, quand c'est sorti, nous on était contents. C'est genre, ouais, ben voilà, on peut plus dire que Bloodlust c'est un. Voilà, c'est un jeu de juste gros bourrin, il y a plein de backgrounds, il y a plein de manières d'en faire quelque chose de très bien. Suite à ça, qui a été unanimement youpi, on a eu les Frères de la Nuit, que personnellement je mets vraiment au même niveau, voire un petit peu en cran dessus, parce que bah, parce qu'en fait il y a beaucoup plus de trucs jouables dedans. C'est-à-dire, bah, c'est le livre des factions. Voilà, les factions. Et ça, t'es content. T'as enfin toutes les factions, leurs magouilles, et ça, c'est bonheur. Mais jusque-là, tout le monde il est très heureux. Il arrive ça, d'ailleurs ils en changent même la numérotation, on voit que ça devient A, tellement c'est l'ouverture de la nouvelle campagne, du nouveau cycle de machin. Les voiles du destin, où on a enfin le secret des voilà, d'où viennent vos armes dieux, et là c'est un choc chez les joueurs. Et on a aussi dans les trucs, l'introduction des nouveaux grands méchants du cycle 2, et là c'est un rechoc chez les joueurs et les MJ. Et on a aussi une elfe qui. Voilà, on a une première re-elfe pure. Mais elle est semi-gadare et elle a même le pouvoir de souvenant, qui pop dans l'univers officiel, et qui est, bon, malheureusement, passé, voilà. Même si, à la fin, hein, ce que devient le PNJ, tu sens que bah, il peut revenir plus tard, parce que c'est genre, oh, je retourne chercher mes origines, et puis, dis, ouais, ça va avoir un combo elfe plus souvenant-gadare, enfin, l'absolu délire. Mais c'est un PNJ, du coup, bah, qui disparaît du reste de la gamme. Mais t'as quand même, voilà. Une elfe noire, une vraie elfe, elfe noire Gadar de la mort, car en plus, enfin voilà, que niveau manipulation et morale, c'est du Bloodlust, quoi. Donc, papapin, arrivons dans un peu les secrets de Bloodlust de la V1, donc pas dit que la V2 ça colle exactement, hein, c'est pas du tout du spoil. Donc, vos armes dieux, en fait, c'est pas du tout des dieux, c'est des consciences, des âmes qui ont été arrachées à leur corps d'origine pour être stockées dans des cristaux capture d'âme pour les lobotomiser et les conditionner à devenir des espèces de machines magiques en leur apprenant en plus des pouvoirs de manipulation de fluide. Parce que bah, les âmes arrachées, une fois qu'elles sont dans le cristal, elles sont en contact du fluide, puis elles apprennent à le manier, et si en plus elles sont endoctrinées, lobotomisées, conditionnées. Bah, elles peuvent devenir complètement débiles et puis juste faire des pouvoirs. C'est pour ça que les armes s'incarnent dans des armes, c'est parce qu'elles ont une grosse envie de vengeance, puis qu'en plus, de toute façon, on les forme à être un petit peu beaucoup des armes, quoi. Les utilitaires, on les forme à être des objets utilitaires. Donc voilà, en fait, les âmes, dieux de vos super épées de la mort, c'est juste des taulards en fuite qui étaient moins que des taulards, qui étaient des trucs en réhabilitation de t'es une machine, voilà, t'es une machine magique pourrie, ferme ta bouche. Donc du coup, bah, d'où ils viennent ces gens? Ils viennent d'un autre continent. Donc ça, tu le sais, dès les voiles du destin, même si l'autre continent en question, il est développé dans Vengeance. En gros, un Titanifis, hop hop, les voiles du destin t'amènent sur une grosse île où bah, là, il y a les méchants qui commencent à préparer leur invasion de Shivu. Puis hop, au-delà de l'autre île, bah, t'as un continent, un autre continent qui est quand même pas mal désertique. Et c'est là que viennent les méchants, un Sylvari, des Sylvarins. Et donc les Sylvarins. C'est une société qui va poser plein de problèmes parce qu'en fait, ils sont arrivés en vaisseau spatial dans le cycle d'avant de Raz. Raz, c'est votre planète, elle a régulièrement des cycles glaciaires qui massacrent toute la civilisation et ça recommence de zéro. Et dans Bloodlust, vous êtes au moins à la civilisation 15, 16, 17, je sais plus. Alors voilà, vous êtes à la civilisation beaucoup. Donc là, tu aurais des tas de trucs à faire, du genre oh, les secrets de la civilisation 1, hein, enfin ça, ils n'ont pas fait. On en vient à la civilisation, si nous on est N, voilà, il y a des trucs par rapport à N-1.
juste du coup d'avant. Les Silvari, ils en font partie, vu qu'en fait, ils se sont écrasés dans le cycle d'avant. Leur gros vaisseau s'est enfui dans la Terre, mais il y avait les réacteurs quand même allumés, ce qui fait bah, quand il y a eu les glaciations, oh, ils se sont réfugiés près des réacteurs, et puis bah, du coup, ils sont pas morts, et puis voilà. Ils n'ont pas trop connu la glaciation, enfin, ils se sont protégés de la glaciation grâce à leur turboréacteur de vaisseau interstellaire. Mais c'était quand même des humains dedans, comme sur Tanifis. Pour ça d'ailleurs que perso, moi les Silvari, non, ils viennent d'un cycle d'avant qui a essayé de s'enfuir. On a fait de la cryogénie machin dans l'espace, on n'est pas revenu au bon moment. Cette longévité aussi des Silvari va poser tout de suite le problème par. Ouais, bah, du coup, ils ont dû être en contact avec les Pregadar. Les gars qui étaient assez balèzes pour créer la mémoire génique et qui sont censés avoir des grosses compétences sur la bio-ingénierie. Voilà, hein. Civilisation dont on retrouve la trace avec les autochtones de ce continent sur lequel ils sont plantés, qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont liés avec les Pregadar, mais les Pregadar étant au moins du niveau, enfin voilà, avec une telle civilisation, ils ont une connaissance planétaire, même si ce n'est pas forcément eux qui dominent toute la planète. Et bah voilà, les Gadars, on sait qu'il y a un truc spécial par rapport à tout ce qui est dinosaures, c'est pour ça qu'on en retrouve dans les jungles Gadars. Et là, tout d'un coup, en fait, on a une nouvelle forme de magie sur les autochtones. On dit que c'est pas vraiment de la magie, c'est plus de la méga-écologie, mais c'est quand même de la magie, parce que si tu veux, bah tu peux. Enfin, t'as des tas de pouvoirs type druidique, mais au-delà, tu peux voilà, transformer tes mains en trucs de dinosaures, voire devenir un vrai dinosaure à toi tout seul. Donc t'as dinosaures Gadar d'un côté, dinosaures chez les autochtones, d'ailleurs qui sont pas du tout tous des noirs comme les Gadar. Les autochtones, au contraire, c'est une fusion de toute la population gros de Tanifis et qui ont fait voilà, ont fait juste tous des métis. Et c'est Métisland. Tandis que les Silfari, c'est tous des grands blancs pas sympathiques du tout. Et on a la troisième faction, donc voilà, sur le nouveau continent, les Silfari, les gros méchants, méga typés steampunk, c'est de la steampunk magie. Et c'est un des petits points problématiques qu'on va revenir. Les nécromanciens, donc les nécromants, qui sont en fait ben, une sous-faction des Silfari qui a des guerres interne, et que les Silfari peuvent manipuler un peu le fluide, mais pas du tout comme des elfes. C'est plus un contrôle extérieur ou juste qui booste leur capacité naturelle. Ça augmente tes attributs pour un bref instant. Par contre, avec leur manipulation extérieure, ben, oui, ils ont cette capacité de fabriquer des objets magico-scientifiques. CF, oui, ce qui peut arriver à. Enfin voilà, l'origine des armes dieux. Et bah, du coup, ces trucs, ça a des gueules de steampunk, quoi. Ce serait comme grands bretons, parce qu'on essaye un peu de les vendre comme des grands bretons. Bah, ils n'ont pas la classe de grands bretons. Voilà, c'est. Même s'ils sont décrits un peu comme grands méchants, c'est vrai que dès que tu as une illustration, ça fait vraiment très steampunk. Le steampunk, c'est plus un truc qui fait rêver, qui fait peur. Donc, moi, ce que j'aime bien dans les Silvaris, c'est que c'est une réécriture du truc. Les barbares classiques de Bloodlust versus les mages nécromants. Mais voilà, le côté, je pense, juste steampunk a besoin d'être mis une petite couche, peut-être un petit peu plus hardcore, parce que là, c'est pas assez. Puis c'est vrai que visuellement, ça fait plus émerveillement Jules Verne que oulala, des grands bretons, bouh, ça pue. Peut-être un peu plus lorgné sur quand même les grands bretons. Sorti de ça, bah, une société tyrannique, hein, forcément. Qui fait la chasse voilà, à leurs dissidents internes, les nécromants, qui petite guéguerre avec les autochtones qui pourraient massacrer, mais qui s'en occupent pas trop. Et puis il y a une faction secrète, bah, en fait, dans le vaisseau spatial craché, en fait, il reste des extraterrestres qui n'ont pas encore réussi à sortir, et entre autres des Space Marines. Voilà, ça c'est un moment qui a fait décrocher beaucoup de gens. Comment ça, il y a officiellement des Space Marines, sauf qu'en plus, ça fait tellement longtemps qu'ils sont fermés, ils sont complètement cons. Donc des machines à tuer complètement lobotomisées avec des armures de Space Marine qui vont se foutre sur la gueule avec tes fusionnés. Et là, les gens, ils ont un peu décroché. Il y a quand même un ou deux bons trucs dans hop, les voiles du destin, première île, on découvre qu'en fait, il y a des méchants Silfari qui magouillent sur le continent, qui étaient même présents dans l'acte 1. On se rend compte que, bah, genre, certains empereurs Silfari, dans les premiers empereurs, c'est peut-être devenu des armes dieux dont t'as entendu parler, qui ont foutu la merde. Il y a cette gugus du genre, bah justement, des Silfari qui se baladent sur Tanifis et qui font des grosses magouilles. Donc voilà, t'as des origines et puis des réponses par rapport au PNJ qui étaient plantés avant. Mais voilà, le destin est quand même accueilli en demi-teinte. Et je voudrais dire, voilà, c'est un 3 unanime sur le grog, c'est oui, mais on va voir. Et Vengeance se prend que des 1 et puis il a une très mauvaise presse parce que bah, c'est vrai que le continent il est pas mal désertique, on sait pas trop quoi. Le développer, au final, on te le présente tellement vite que tu as, oui, des listes de pouvoirs pour
Voilà, la transformation en dinosaure pour les nécromants. Et il n'y a pas assez d'explications d'âmes, parce que c'est bien gentil, mais pour ramener des âmes, du coup, ces âmes, elles se baladaient où? Enfin, il y a un au-delà, il y a un... Voilà, il y a des grosses questions, du coup, qui te sont amenées, qui sont absolument pas soulevées. Tu te dis, mais ils y ont réfléchi, il y avait un truc après, ou bien... Voilà. Enfin, puis la question, ouais, des Silvari qui arrivent, période pré-race, donc rencontre le pré-Gadar, pas de traces. Ils sont à l'époque où il y a l'hyper. L'hyper, ils manipulent le soleil. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des voisins, les elfes, n'en parlons pas, les elfes, enfin, voilà, ils te sculptent les continents, mais ils restent sur leur continent, ils découvrent pas le reste de la planète, ils n'ont pas d'interaction, t'as rien sur les Pleiades. Enfin voilà, t'as quand même des gros trous, les réponses sont pas là où on croyait, je pense que ça pouvait être rigolo le côté, haha, vos armes-dieux, bah, ils ont une origine que vous auriez pas soupçonné, parce que ça, personne s'y attendait. Mais du coup, ça fait beaucoup avec ça, plus des méchants style steampunk, qu'on a un peu du mal à croire que c'est vraiment des grands méchants, plus un grand continent qui offre ben, peu de choses au sens, même s'il a 200 pages vengeance, t'es pas. Voilà, t'as peu de factions, et puis t'as peu vraiment de trucs à exploiter. Il y a toute une petite galerie de personnages avec des traits rigolos, dont par exemple ben, un Gadar, mais attention, un Gadar qui voit dans le futur. Donc du coup, là tu te dis, la mémoire génétique, c'est quoi? Enfin, ça, voilà, ça, je sais pas s'ils se sont amusés à le mettre en petit personnage délirant ou si en what the fuck ou est-ce que là en fait on tricrit pas. Ça fait Eren dans l'attaque des Titans quoi. Bon là je vais un peu spoiler donc il faut pas. Mais oui sur la question du voyage dans le temps, est-ce qu'au final c'est pas les souvenirs génétiques, c'est pas des trucs où tu vas te projeter dans ta descendance? Est-ce que c'est juste un souvenir ou est-ce que c'est tu remontes le temps? Est-ce que c'est tu vas dans le futur? Est-ce que le futur est immuable? Mon Dieu. Donc voilà, des tas de petites introductions comme ça. La réponse à la question, les armes peuvent-elles, enfin les âmes prisonnières qui vont dans les armes peuvent-elles aller ailleurs? Oui, il y a un cas, bon bah il est sur Variel, il est sur l'autre continent. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui sont amenées au délire. Tu peux avoir un Silfari fusionné. Enfin voilà, c'est devenu la porte ouverte quelque part un peu au grand nimp et qui a fait lâcher beaucoup de gens. Moi je trouve que. La tentative était honorable, la réalisation était plantée. J'aime bien les thèmes qui sont amenés, je trouve oui, pourquoi pas, on peut développer comme ça, même si il est hors de question que je mette des espèces marines, puis qu'effectivement pour moi les Silfari sont pas des extraterrestres, mais des gens d'une période d'avant, voilà, qui forcément il faut combler les trous des civilisations d'avant à partir du moment où on a introduit une ennemie, hein, parce qu'on avait déjà les Pré-Gadar, mais maintenant on a les Silfari, et bah du coup on a besoin d'infos dessus, quoi, voilà. Puis c'est quoi le lien avec les elfes? Et puis enfin bon. Plein de nouvelles ouvertures, mais le problème, on avait déjà deux continents en suspens, où sont allés les postes pairs, hein, qu'on voit dans Éclat de Lune V1, et puis les Pleiades, bordel de merde. Donc voilà, un supplément, c'est pour ça qu'on le présente comme le dixième, mais celui qui a tué la gamme. Et hop, ça c'est le 8, ça c'est le 10, ça. Et ben en fait, dans le 9, on avait un truc complètement hors gamme, c'est un groupement de scénars. Tout simplement, des délires sur les pistes, des scénars. Moi j'ai bien aimé la chasse aux monstres qu'il y a dedans. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qu'on aime beaucoup ou certains, beaucoup pas d'autres. Ils sont voilà, ils sont de nature très diverse. Donc ça fait que généralement personne les aime tous. Mais c'est pas tout le temps les mêmes qui sont unis par tout le monde. C'est marrant. Moi par exemple, j'ai du mal avec le bac à sable, avec les épices. Alors que, en théorie, c'est le genre de scénar que j'aime bien, mais là. Trop le début c'est tout comme ça, puis après, voilà, ce scénar à l'ancienne où t'as une chronologie type qui t'est posée, puis des merdes de toi. Enfin bon, ça c'était donc l'arc V2 qui a causé en fait un peu la perte de Bloodlust, tout simplement, parce qu'on a eu à la fois une méga hype avec les éléments transitionnels, contes et légendes, des frères de la nuit, et puis tout d'un coup, voilà, on fait un truc totalement en contre-crescendo, enfin en à pic. Et ouais, ça faisait trop à digérer d'un coup. L'idée, les armes et pas des origines méga mystico-divines super glorieuses, pourquoi pas, ça peut être rigolo, même si en tant qu'auteur, tu te dis, ah, je surprends les joueurs, faut pas oublier que les joueurs, bah, tu m'en frustrerais quand même pas mal. Et puis les Silvari en mode steampunk, intention louable, mais en fait pas concrétisée, ça manque d'une petite touche d'horreur. Ça manque de diversité, il aurait fallu dès le livre de base, on ait quand même plus de factions internes aux Silfari, tandis que là, c'est tous des grands héritiers qui se. Enfin, ouais, voilà, t'as 50 Silfari secrets cachés, ça fait quasiment 50 sous-factions. Ah, mais du coup, t'en as aucune de développée. Bah, t'as des trucs comme ça. Ils sont. Puis après, c'est totalement dictatorial, hein, c'est une espèce de dictature mystico-magico-religieuse-politique.
Et ils sont tous sauf sympathiques et préparent l'invasion de Tanifis. Voilà, on en reparlera peut-être, et puis surtout en fonction des actus de la V2, et puis, enfin bon, voilà. Ça fait plein de voilà, phrases scellées. Et on va finir sur Bureau of Investigation, que j'ai pas fini, j'en suis à la moitié, mais on va quand même parler de ce qu'est, voilà, déjà, hop, la boîte de base. Donc, une jolie boîte, je crois que c'est 39 balles. Ouais, 39,99, donc 40 euros. C'est chez Space Cowboy. Donc ça, c'était un SP. De toute façon, je referai une vidéo spéciale, mais surtout, au-delà d'avoir été un SP, c'est le Grégory Priva, et j'ai jamais caché que je m'entends bien avec lui. Donc, suspicion du SP, suspicion de copinage des copains. Voilà, quand j'aurais fini de dire des conneries là-dedans, bah c'est voilà, c'est un peu débordant. Hein. T'as tout ça dedans. Donc, t'as quand même quelques enquêtes, t'en as cinq. Qui ont, enfin, c'est basé, oui, donc sur les Sherlock Holmes, à savoir, bah, c'est toi et tes copains contre le jeu. Donc le jeu a des mécaniques, et c'est de l'enquête, et c'est de l'enquête quand même bien de haut niveau. Donc pour ceux qui sont habitués à Sherlock Holmes, les deux premiers sont déjà différents, mais avec un côté, comme d'habitude, classique, au sens où effectivement tu vas aller de paragraphe en fonction de ce que tu. Voilà. C'est ce que tu te dis, hein, là c'est louche, je vais y aller. C'est plus compliqué que les Sherlock Holmes classiques en sachant que tu peux avoir des interrogatoires. Hop, t'es un flic, tu t'expliques correctement. Tu fais partie du Bureau of Investigation, en enquête du FBI et de la section spéciale Post-East Moon, parce que tout ça est dans de l'appel de Cthulhu pur Lovecraft. Hein. On est sur. Voilà, on se tient à l'univers de Lovecraft, donc non, pas de fantastique à la non Lovecraftien. Et du coup, bah, les autorités, après East Moon, ils ont fait une section spéciale d'enquête sur tout ce qui est louche, et t'en fais partie, et à chaque fois, tu vas enquêter sur des trucs qui sont louches. Et donc, bah, moi, j'en suis au 3 où je m'arrache les cheveux, hein, on va être clair. J'ai jeté un coup d'œil sur les thèmes du 4 et 5, mais c'est tout. J'ai fait le 1 que j'ai brillamment réussi, seul, parce que Morty. Enfin voilà, le niveau d'enquête Morty, c'est Unlock. Ça, elle aime bien, mais voilà, ça, c'était trop compliqué pour elle, donc elle m'a planté tout seul. Donc le 1 tout seul, ça va, j'ai réussi, maximum réussite, 7 points, youpi, j'étais fier. Le 2, je suis arrivé à 4, donc déjà le juste, bon, t'as réussi, mais t'as pas fait le parfait. Le 3, je m'arrache encore les cheveux. Voilà. Donc dans le 1, on va avoir, tu es envoyé dans une ville parce qu'on a retrouvé plusieurs cadavres et les cadavres ont exactement la même tronche. Dans le 2, il y a une étrange et immense statue du type oh, vachement trop cthulien qui a disparu et les autorités t'envoient en disant oh là là, tu vas vite aller foutre ton nez là-dedans, savoir si c'est une résurgence des petites saloperies d'Ismoun. Tatin, et là je vous spoil rien, hein, c'est les accroches. Dans le 3, on t'appelle parce qu'il y a une petite fille qui a disparu dans une des résidences des présidents américains. Le 4, c'est une cold case. Donc bah, c'est un immense dossier, plein de trucs. Et là, c'est de la cold case. Et puis le 5, c'est dans la jungle. Et puis bonne chance. Vas-y. A priori, hein, a priori, t'es dans la merde. Vu que je me suis laissé le droit de lire que le début, par exemple, le 5, tu ne sais même pas le nombre de pistes que t'as le droit. Donc ouais, j'en saurai plus quand j'aurai lu. Mais c'est une entrée mystérieuse. Et donc du coup. Voilà. Donc le 1 et le 2 sont complètement compatibles en mode jeu de rôle. Ça sera simple, ça va vous donner des bacs à sable. C'est-à-dire toi MJ, tu peux l'acheter, tu le joues avec qui tu veux, puis tu peux le faire jouer à des groupes de l'appel de Cthulhu, il n'y a aucun problème. Ils sont, enfin voilà, tour à tout. À la fin, tu as le côté solution, on t'explique bien les tenants, les aboutissants, du coup tu vois bien les PNJ, enfin ça va être du simple. Le 3, n'ayant pas atteint la fin, je serais. Enfin, puis je vais pas spoiler le truc, mais c'est un putain de labyrinthe à rendre cinglé. Voilà. Grégory Priva était tout fier de me raconter qu'effectivement Croc s'est arraché les cheveux. Mathieu Garbory et sa femme ont essayé, ils se sont plantés aussi. Donc voilà, je vais peut-être me planter, mais je serai pas le seul. C'est super chaud. Je l'ai recommencé 3 fois, je reprends des notes, des plans, des. C'est super chaud. Je suis arrivé à un stade où en fait Grégory m'a dit, bon, ça va, elle était plutôt bien, t'as fait le plus dur. Mais je ne vois pas, absolument pas. C'est la difficulté de jouer à 1. Voilà. Tu peux jouer aussi bien solo qu'à 5. Je voudrais dire l'idéal, c'est jouer le à 2-3. 1,
bah des fois j'ai l'impression d'être coincé avec moi et puis que voilà, j'ai des petits trucs qui m'échappent et là, comme quand t'es tout seul, dommage. Et puis 5, je pense, ouais, 5, faut que vous soyez une bonne équipe, bien habituée à jouer ensemble comme un vrai jeu d'équipe, parce que si vous commencez à pas aller dans les mêmes sens ou à vous engueuler, c'est vraiment fini. Le jeu est assez dur en fait pour que les joueurs ne rajoutent pas de difficultés. Et 5, j'ai peur que ça soit trop éclaté, qu'il n'y ait pas assez voilà, d'intelligence collective, que ça parte peut-être, je dis peut-être de la merde, hein, je ne l'ai pas testé à 5. Mais ouais, l'idéal, ça me semble être 2-3. Voilà, avoir des regards assez tranchés, différents, mais être assez peu nombreux pour qu'il n'y ait pas de dissension interne, ou que les dissensions se règlent facilement. Voilà. 2, l'expédition, qui est relativement épais, puis avec ça, bon, t'as le plan de Bloodstone, le plan d'Arkham, hop. Du joli matos. Alors, tu as un livret par enquête, sauf effectivement celui qui a une cold case où bah, c'est un dossier d'aide de jeu. Tu as deux annexes que je peux pas dire d'où à quoi c'est rattaché, parce que sinon c'est un peu de spoil puis un peu d'indice. Mais en clair, en fait, il y en a un qui en fait, tu as 100 en plus dessus. Et que quand tu crois que non, 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 tout est plus compliqué que tu crois qu'il est compliqué, que tu vas t'arracher les cheveux. Hop, t'as le plan de la maison du président que tu peux écrire dessus, mais vu que moi je suis un petit débilos, ah, puis je bouge ma souris, je me suis amusé à refaire des plans de petit président. Ah, sinon, il faudrait que je monte ça. Voilà, je fais mes pages de recherche. C'est dur. D'ailleurs, au passage, il y a une fois où j'étais tout fier de moi d'avoir super bien réussi vite. Et puis en fait, c'est juste que j'avais pas bien lu les consignes. Hein. C'est un jeu avec des règles très simples, rapides. Puis à chaque nouveau livret d'enquête, tu as un petit peu des règles spécifiques parce que chacun hein, s'amuse à prendre des formes différentes. Hein. Il y a que les deux premiers où tu te dis, ouais, je suis rassuré. Puis après, ça commence à, ok, c'est à chaque fois des formes différentes. Ce qui est assez d'ailleurs agréable. Hein. Ça renouvelle beaucoup les enquêtes. Mais du coup, bah t'as vraiment une diversité. Pourquoi je disais ça? Je sais plus. Bah, ça m'apprendra pas à faire des trucs construits. Hop, la cinquième histoire. Avec ça, forcément, t'as des journaux sur certaines enquêtes avec, bah oui, hein, oui, il y a des indices dedans. L'annuaire du Massachusetts, quand tu veux interroger des gens, bah, en fait, tu cherches leur nom là-dedans pour voir s'ils sont trouvables. Et puis, bah, tu vas te référer au paragraphe qui leur est dévolu. Un autre journal pour une autre enquête et un plan de la jungle pour le dernier. Ouais, donc le dernier, ça, tu peux pas faire comme la maison du président si tu veux paniquer ton voilà, ton jeu, bah, tu es obligé de faire des photocopies. Hein, parce qu'alors là, pour le 5, va falloir gribouiller dessus. Tu ne peux pas le faire sans gribouiller dessus, tu peux pas le ramener à main levée ou alors vraiment tu le décalques, enfin, tu fais une photocopie. Quoi, voilà. Voilà. Donc c'est bien épais. Il y en a pour des heures et des heures de jeu. Hein. Moi, depuis que je l'ai reçu, puis ben voilà, j'ai un Grigory, donc je dis, ouais, je l'ai reçu, je commence l'enquête 1. Ouais, j'en suis là, génial, t'as e-step. Puis à la fin, on en discute, puis après, on est tout content. Donc oui, je suis un petit peu hypé. Puis bah oui, c'est une expérience de jeu super intéressante. En plus de pouvoir, voilà, décrire le jeu, qu'à chaque fin d'enquête, ayant discuté avec l'auteur. Là-dessus, je cache pas que c'est. Je me suis senti privilégié, c'était super agréable. Mais ouais, la difficulté, elle est crescendo, jusque là, au point de sadisme de la troisième enquête, qui est vraiment, je dis, où Croc il s'arrachait les cheveux, qui est, voilà, qui est pour des joueurs experts. On va être clair. Hein. Le premier, enfin, tout le monde y va pouvoir réussir, je pense, c'est jouable. Enfin, pas forcément les 7 points, mais au moins boucler l'enquête. Le deuxième, ça se complexifie un peu parce que c'est encore un truc de tordu. Le 3, ça devient s'arracher les cheveux. 4 et 5, j'en sais rien, j'ai pas encore fait. Voilà, je peux juste vous donner les thématiques. Donc je reviendrai dessus sur un gros final quand j'aurai tout fait. Mais pour l'instant, voilà, ça m'a bouffé en termes d'heures. Alors rien que la troisième, j'ai dépassé les 10 heures. Voilà. La première, je l'ai faite en 4 heures. La deuxième, c'était pareil, c'était un truc 4-5 heures. Enfin, ça occupe bien tes soirées. Il n'y a pas de doute, hein, tu es dedans. Voilà. Et puis voilà. Donc bonne fin de week-end à vous. Bonne reprise pour ceux qui attaquent la semaine. Et puis, moi, je m'en vais bricoler. Salut les gens, jouez bien.